Et ce qui fait la capacité de ce type de personnalité à marcher dans les voies du Créateur, c'est que ces constructions ne sont même pas faites pour marcher dans les voies du Créateur. Elles ne sont pas faites. C'est-à-dire que, essayons simplement, je dis bien, je vous parle là à partir de l'écoute du fonctionnement de ce dont nous parlons là, cette dimension-là. C'est-à-dire que vous verrez que le vieil homme qui est construit dedans, qui renvoie Satan, j'ai dit bien, même dans sa démarche de prière, ce n'est pas dans une optique de vénération du Créateur, mais c'est dans l'optique de faire du Créateur un sujet à utiliser pour réaliser l'idée qu'on se fait de soi. Oui, c'est ça. Si on s'écoute très bien, vous le verrez. Voilà. Donc, ce vieil homme, parce que se prenant pour Dieu, il critique tout ce qui ne se soumet pas à ses intérêts. C'est de là que viennent les critiques. Pas simplement des humains. Hein. Parce que vous verrez clairement qu'il est difficile de critiquer un individu dont on sait que c'est un sujet, une marionnette qu'on utilise pour satisfaire ses passions. Est-ce qu'on le critique facilement? Non. Mais généralement, on critique un sujet qui nous tient tête parce qu'il ne se subordonne pas aux ambitions. Donc, je dis, ce n'est pas l'homme, hein, c'est Satan dedans. Donc, c'est ça. Ça fait partie donc des caractéristiques de ce vieil homme quand il s'exprime. Quand il se déploie. Et donc, pour que nous parlerons de la deuxième phase, qui est très importante, comme nous l'avons dit, comment en sortir? Comment sortir de là? Je pense que pour parler davantage de comment il a été construit, ça peut nous prendre toute la journée, toute une semaine. Comment il a été construit? Mais nous pouvons le comprendre très facilement. Facilement. Parce que je le comprends toujours à partir de moi-même. Quand j'étais jeune, j'entends les parents te dire qu'il faut que tu deviennes quelqu'un. Il faut que tu deviennes quelqu'un. Et quand tu es jeune, tu ne comprends pas trop ce qu'ils veulent dire. Mais au fur et à mesure, ils te montrent que pour devenir quelqu'un, regarde. Il y a certains repères là, dehors dans la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que tu te dotes de leurs possibilités, de leurs moyens. Que tu arrives à conquérir les facultés qui leur permettent de se hisser à ce niveau. Je sais pas, vous voyez ça? C'est ça. Comme disait un homme politique camerounais, quand on se noie, il n'est pas mal de s'accrocher même à un serpent. Oui? Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça? Parce que quand on vous donne les critères, devenez quelqu'un. Mais ça veut dire que même si c'est Satan qui vous aide à vous, ici à ce niveau, c'est Dieu. Dieu vous a aidé, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Alors, il faut que tu deviennes quelqu'un. On vous dit, quand tu es petit, on vous dit, mais tel homme, il est intelligent. Mais après, on commence à vous décrire les caractéristiques de l'intelligence. Mais on vous donne quoi? Des repères. On est en train d'exciter en vous la passion du devenir, comme cela. Donc on est en train de construire en vous une personnalité, une identité, mais seulement elle vous renvoie à l'autre. Oui, parce que dans tous les cas, vous voyez bien, quand vous prenez un démon, qui est une entité spirituelle, avec des caractéristiques ascendantes sur nous, mais il va vous donner de manière bien détaillée, la forme de l'univers et les lois qui le caractérisent. Mais le démon est hors de l'intelligence, parce que l'intelligence est l'identité du Créateur.
voyez bien ce que je veux vous dire? Donc, ça veut vous dire que il va vous parler de l'intelligence, mais il parlait d'autre chose que l'intelligence réelle. Donc, on est en train de vous canaliser vers autre chose. On est en train de construire, à partir des repères qu'on vous donne, on construit un lien de dépendance identitaire entre vous et d'autres forces. Et vous devenez simplement ces forces-là. Donc, si vous voulez, c'est ça le vieil homme. Le vieil homme, c'est Satan qui a été construit dedans. C'est ça le vieil homme. Et c'est pour ça que même ceux qui sont avisés dans le monde, ils le disent bien, que l'homme, c'est l'information. C'est-à-dire l'être humain, ce que vous voyez, c'est l'information. Ça veut dire que ce que nous sommes, les éléments qui constituent notre personnalité, si ça ne renseigne pas sur qui est le créateur, ça renseigne clairement sur qui est Satan. Il ne faut pas dire que tu prends quel avion pour aller voir là où Satan est. Non, mais si tu veux le connaître, regarde simplement comment... Oui, c'est l'information. Comme le Messie dit bien, je vous informe sur qui est mon Père, sur sa structure identitaire. Je mets en évidence les éléments qui constituent sa personnalité. Comme mon Père est, je suis. Mais comment il en arrive là? Par l'éducation. La bonne éducation. On ne peut pas construire la personnalité en dehors de l'éducation. C'est ça. C'est pour ça qu'on peut voir qu'en lui ne s'était jamais construit le vieil homme, le faux homme, c'est-à-dire le Satan. Jamais il ne s'est construit. On nous dit simplement tout directement que l'enfant, jusqu'à quand il vient là, on dit l'enfant se développait en esprit, en sagesse. Ça veut dire que cet esprit sort, l'esprit auquel il faut donner une identité. C'est le père qui lui donne l'identité, qui va garnir son identité en déposant dans cet esprit ses caractéristiques. Et plus le père dote cet esprit de ses caractéristiques, le regard du père devient celui de l'enfant. Voyez ? C'est par son père qu'il analyse, qu'il voit. Donc, il peut manifester naturellement les caractéristiques de son père. Donc, la voie pour y sortir, c'est ça. Nous voyons la voie, comment on y a été enfermé. Donc, la question à laquelle nous répondions clairement, puisque c'est la sœur Marie-Madeleine, en fait, est de savoir c'est quoi le vieil homme. Comment est-ce que nous le définissons? Et lorsque nous arrivons à le définir, comment il a été rendu possible qu'il soit construit en nous? Et puis, comment vous pensez qu'on peut en sortir? Donc, c'est ces questions-là. Donc, c'est important, c'est vraiment important. Donc, vous verrez donc, que ça, c'est clair pour le comprendre. Donc, par l'éducation, quand nous rentrons là, le type d'éducation que nous recevons, qui construit la personnalité, si ça ne vient pas du Créateur, ce sont des éléments qui nous sont donnés pour garder, pour être gardés dans l'infirmité, c'est-à-dire l'incapacité absolue, non seulement de comprendre les voies du Père, mais encore moins d'y marcher. C'est-à-dire, nous portons en nous une identité infirme. C'est ça l'infirmité. Vous voyez bien, on porte en nous l'identité infirme. Et nous sommes faits en ce moment-là pour multiplier une espèce infirme. Je dis bien par rapport au Créateur, hein, une espèce infirme. Et d'ailleurs que vous allez le voir, que ce sentiment-là qui vient de cette fausse personnalité en nous, le vieil homme, a renforcé cette idée parce que c'est lui l'infirme, l'idée « personne ne peut marcher comme Jésus ». Pour tous ceux qui se réclament de Jésus, hein, personne ne peut marcher comme le Messie a marché. Oui, naturellement, parce que nous ne portons pas la même identité. Personne, on vous dit personne. Voilà, c'est comme si vous arrivez dans un royaume où tout le monde est infirme. Tout le monde. Tout le monde est infirme. Personne ne peut jamais aller sous d'autres cieux où les gens qui sont là-bas ne sont pas infirmes. Et tous ces infirmes vous diront que jamais
personne ne peut fonctionner autrement que nous les infirmes. Vous voyez? Oui. Ils vous diront comme ça parce que ils ne savent pas que dans ailleurs, sous d'autres cieux, il y a des êtres valides. Parce que l'infirmité, quand je suis infirme, j'analyse les choses à partir de mon infirmité. Et je suis convaincu que même les valides sont infirmes. Si je n'ai pas vu un valide hein, en train de s'exprimer sous mes yeux. C'est-à-dire que je vais tout analyser à partir de mon infirmité. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que vous avez un royaume où tout le monde est aveugle. Tout le monde est aveugle, incapable de voir. Et il va être convaincu que tout le monde est aveugle sur la terre. C'est ça la caractéristique de l'infirmité. Donc, cette identité construite, c'est ça donc le vieil homme. Donc c'est ça qui s'exprime par tout ce que nous voyons qui caractérise Satan, les haines, les jalousies, les rivalités, et même ce que on est en train de voir personnellement, ce que nous sommes en train de voir au plus haut niveau même, j'ai dit au plus haut niveau de la hiérarchie des nations, c'est qu'en réalité, ces qualités sont considérées comme des talents. Oui. Comme des talents. Ces qualités dont nous parlons là, la jalousie, la rivalité, le conflit, comme des talents. On est en train de... Mais nous sommes même en plein dans l'actualité dedans. Oui, comme les talents. Oui, c'est ça. Donc, la clé vraiment pour en sortir, c'est que, bien sûr, c'est pas, comme nous disons, par l'éducation, hein, parce qu'ils sont convaincus que s'il y en a quelques-uns des esprits qui sortent pour commencer à percevoir la vraie identité de l'homme, à partir des informations, nous pouvons commencer à comprendre que, mais depuis longtemps, nous avions pensé que ce que nous sommes, c'est nous. Mais pourtant, il devient clair que c'est Satan. C'est-à-dire, quand j'ai du moi, ça renvoie à Satan qui a été construit dedans. Mais à partir de là, je peux commencer, même si la compréhension, c'est-à-dire le vrai moi est encore dans l'embryon, peut commencer, ça peut créer en moi un déclic pour dire au Créateur, mais donne-moi de comprendre qui je suis. Vous voyez? Donc, je peux commencer à désirer une désolidarisation du faux qui est dedans. Parce que le faux qui est dedans, qui vient de l'extérieur, c'est lui-même, le faux qui est dedans, que nous le comprenions très bien. Parce que hier, il y a une personne qui était en train de me le dire. Vous allez voir en fait que le vieil homme qui a été construit en nous, qui est la propriété de l'État, c'est la propriété de l'État. Vous voyez, parce que comment il a été édifié, est-ce que c'est par vous-même? Non. C'est par l'État. C'est-à-dire cette personnalité qui est à partir de laquelle on s'est défini, à partir de laquelle on se projette, à partir de laquelle nous fonctionnons, c'est la propriété de l'État. Donc quand vous entrez là, presque dans tous les pays du monde, l'école est obligatoire. Donc c'est le moyen qui permet de commencer à asseoir les bases de cette personnalité. Et l'État subventionne les moyens, par les moyens nécessaires pour que cette personnalité soit construite. Et après, quand cette personnalité est construite, c'est votre propriété? Non, c'est la propriété de l'État. Ça veut dire que cette personnalité que l'État considère comme sa propriété, même quand vous êtes couché, il la contrôle. Il la manipule. Parce que c'est ça qui vous rend dépendant de l'État. Nous disons l'État, c'est une personne morale, hein, c'est pas... un individu, ce n'est pas parce que cette conscience prend forme. C'est un individu. Donc vous avez, c'est elle qui rend cette personnalité dedans, qui rend dépendant de Satan. Donc quand vous changez de manteau, vous n'êtes plus contrôlé par Satan. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que, je veux dire que si cette personnalité, vous la changez, ça veut dire que votre esprit rentre dans la personnalité du Créateur, vous n'êtes plus contrôlé par Satan. Parce que c'est là même le mécanisme de contrôle.
Ça veut dire que si vous avez même 10 000 milliards d'individus qui portent en eux cette personnalité, ils sont tous reliés par la même centrale, donc manipulables jour et nuit. C'est une personnalité qui les rend dépendants de Satan, donc Satan peut la tourmenter par les angoisses, par les soucis, par les inquiétudes. C'est lui qui la tourmente. Il les contrôle à distance. C'est ça les méthodes de gouvernance. C'est ça le vieil homme. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut chercher son élection, il va, pour lui c'est la ressource. C'est un puits d'énergie. Il ne s'adresse pas à l'esprit humain, il s'adresse à la personnalité qui est dedans. Est-ce que vous comprenez bien? Nous sommes dans l'actualité où il y a deux jours un homme politique ici en France disait bien, donnez-moi votre énergie. Oui. Donnez-moi votre énergie. Donc c'est ça, le mécanisme de contrôle. C'est ça la conscience. Quand on s'adresse, on parle, c'est à cette conscience qu'on parle. Voilà. Et c'est pour ça que vous pouvez voir que du nord au sud, de l'est à l'ouest, puisque cette identité est dépendante de la même centrale, les gens s'angoissent tous au même moment. Tous. Au même moment. Et mais ne pensez pas que cette personnalité croit avoir un Dieu qui est au-dessus de lui. C'est elle qui est Dieu, au-dessus de tout. Tout ce qui se nomme Dieu doit être à son service. On la voit comment elle s'exprime partout dans le monde. Quand vous allez dans certains pays, vous allez en Afrique, dans les groupes de prière, en réalité, Dieu, c'est un instrument qu'on doit utiliser pour satisfaire les passions. Donc c'est cette personnalité qui s'exprime comme ça. C'est Satan. Quand vous êtes naïf, vous croyez vraiment que les gens vont chercher Dieu? Non. Les gens vont chercher un supposé Dieu infirme qu'ils vont utiliser pour satisfaire leurs passions. Donc la question donc est que il faut que cette personnalité en nous qui est Satan soit tuée. C'est là où on parle de la crucifixion. Si elle n'est pas tuée pour que le nouveau émerge, on ne peut pas rentrer dans les talents exceptionnels par lesquels tout est venu à l'existence et qui régissent tout. C'est donc de ça que le Messie parle quand il dit « c'est lui qui veut me suivre ». C'est-à-dire qu'il veut avoir une identité commune avec moi. Qu'il se désolidarise du faux lui. C'est-à-dire qu'il renonce à lui, qui a été traduit à lui-même. Parce qu'en fait, ce sont des termes toujours qui augmentent l'ambiguïté. Comment je peux renoncer à moi-même? Parce que moi-même, c'est moi-même. Oui. Comment? Parce que lorsqu'on vous parle comme ça, c'est très difficile que quelqu'un puisse renoncer à lui-même. Ça veut dire que je dois renoncer au faux moi. Parce que ce n'est pas moi, c'est Satan. C'est la propriété de l'État. Donc, aussi longtemps que je me définis à partir de cette personne-là, je suis la propriété de l'État. C'est-à-dire de Satan, vous voyez bien. Parce que vous verrez qu'à l'inverse, lorsque l'esprit sort de l'embryon pour entrer dans l'identité du Créateur, puisque c'est la construction du Créateur, il devient quoi? C'est la propriété du Créateur. Parce qu'il rentre dans la dépendance identitaire vis-à-vis du Créateur. De la même manière que l'autre est dépendamment, il est dans la dépendance identitaire vis-à-vis de Satan. De la même manière, l'homme intérieur, quand il rentre dans l'identité de son Père, il est dépendant de son Père. Il ne pense pas son identité en dehors du Père. Il ne pense pas la beauté en dehors du Père. Il ne pense pas la richesse en dehors du Père. Il ne pense pas l'intelligence en dehors du Père. Bref, son miroir, c'est qui? C'est le Père. C'est pourquoi nous disons le Shabbat passé que quand tu te mets devant un miroir, c'est l'homme extérieur en toi qui se mire sur lui-même. Ce n'est pas l'homme intérieur qui se mire. Parce que l'homme intérieur, son miroir, c'est qui? C'est le Créateur. Hein? Voyez, mais l'homme extérieur dans l'humain, son miroir, ce n'est pas simplement la glace qui est dans la salle de bain. Son miroir, ce sont les maisons, les voitures, parce que c'est sa forme plurielle. Il se mire sur tous ces éléments-là. Vous voyez, comme il disait au Messie,
regarde le monde et sa gloire supposée. Il dit, pour dire, c'est ma forme. C'est lui qui s'identifie à moi, ou alors se prosterne. Mais je lui donne tout ce qui est là. Mais le problème, c'est que le Messie, son miroir, c'est, le miroir du Messie, c'est le Père. L'homme intérieur. Donc, c'est ça, le mécanisme. Si il n'y a pas changement de manteau, changement d'identité, changement de personnalité, on ne peut pas sortir du contrôle de l'État. Ce n'est pas possible. On ne peut pas sortir. Parce que vous allez bien voir que, comme il le dit, je le rappelais tout à l'heure, on dit l'éducation, c'est la connexion de l'humanité à la hiérarchie spirituelle. C'est-à-dire, on construit une dépendance identitaire entre tous les sujets et Satan. Donc ça veut dire en réalité que tous sont dépendants de lui. Et lui-même peut les considérer comme sa propriété. C'est ça. C'est lui qui voit, c'est par lui qu'il voit ces individus, c'est par lui que ces individus jugent, c'est par lui que ces individus comprennent. Donc ça veut dire que quand il parle à travers ses hauts représentants, il sait qu'il parle à lui-même dans les individus. Et c'est lui-même qui comprend. Voilà le mécanisme. Alors si le Père vient pour détruire le vieil homme, c'est pour nous sortir de la dépendance. C'est pour construire son identité en nous. Vous comprenez maintenant le mécanisme ? C'est-à-dire que si le vieil homme doit être détruit, parce que le vieil homme, c'est la source de nos malheurs. Comme quelqu'un le disait là tout à l'heure, il faut bien comprendre que le nouvel homme qui partage une identité commune avec le Père n'est pas concerné par la maladie, n'est pas concerné par l'instabilité, n'est pas concerné par les haines, par les jalousies. C'est pas, vous voyez bien, il n'est pas concerné par ça. Parce qu'il partage une identité avec le Créateur. Il est héritier du Créateur. Le Créateur le fait hériter, ce qui fait qu'il soit Dieu dans le Messie. C'est le vieil homme, c'est pour ça que le Créateur disait à son peuple que si je cesse d'être pour toi le miroir et que les nations deviennent ton miroir, tout ce qui arrive aux nations va t'arriver. C'est-à-dire que tu vas hériter avec elles leur sort. Donc c'est une question de puissance au niveau identitaire. Notre puissance ne réside pas au niveau du nombre, c'est au niveau de l'identité. Lorsqu'il y a changement de manteau, vous devenez libre. Oui, un esprit libre. Progressivement. Donc, manifester les qualités de votre Père, ce n'est plus un sujet de concentration. Ce n'est plus un sujet, vous n'avez pas besoin de pleurer toute la nuit pour manifester les qualités de votre Père. Parce que c'est simplement votre vrai vous. Et ça commence à se manifester. À s'extérioriser. Donc avant que le frère Armand et la sœur Marie-Madeleine viennent, je vais juste revenir sur ce point et puis vous laisser, vous avez des questions ou quelqu'un une participation. J'étais donc en train de dire, et c'est là toute la malice du monde, toute la subtilité, toute la ruse. Toute la ruse. Pourtant qui est, lorsque nous nous laissons instruire par le Père, qui est perceptible, hein, discernable. Donc j'étais en train de dire en fait que vous verrez bien que quand vous entrez là, si par rapport au développement, par rapport à la possibilité de développement dans le revêtement de la conscience du monde, vous n'allez pas à des degrés avancés, vous n'êtes pas réellement productif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas occuper des fonctions, des hautes fonctions, parce que dans le fond, c'est lui qui occupe les fonctions. Dans l'ordre qui est établi, c'est lui qui occupe les fonctions, ce n'est pas l'esprit de l'homme, mais c'est le faux qui est construit à l'intérieur. C'est le vieil homme qui est construit dedans. C'est lui qui occupe les fonctions. Et c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que plus il va à des degrés de conscience très avancés, puisque le lien qu'il a avec le chef lui permet de mieux maîtriser l'objectif du chef, il peut occuper des fonctions très avancées. N'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez pas être directeur d'une société si vous n'incarnez pas la société, la vision de la société, les objectifs de la société. Est-ce que vous pouvez être son directeur? Non, vous allez tirer la société vers le bas.
Parce que souvent, on dit la société, c'est une personne morale, c'est un esprit. Mais en réalité, qui prend forme au travers du directeur, non? Donc, c'est important de le comprendre. Donc, pour que le Messie occupe une fonction de première place, premier choix pour l'avancement du royaume de son Père, il fallait bien qu'il épouse toute l'identité de son Père. Comme mon Père est, je suis. Donc, il a la totalité, il perçoit la totalité de la vision de son Père. Et il peut canaliser les ouvriers pour l'accomplissement. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas le corps qui occupe les fonctions. Là. Mais, c'est l'homme extérieur qui est construit à l'intérieur. L'homme extérieur qui est construit à l'intérieur. Il y a un monsieur américain qui avait été présenté comme un illuminati qui disait que c'est lui qui n'est pas conscient que la société des nations évolue selon un projet bien défini auquel tout le monde, tout sujet participe comme simple ouvrier. C'est lui qui n'est pas conscient de ça, c'est un aveugle et un ignorant. Donc pourtant, ce sont des esprits sortis de l'embryonnaire, rentrés dans la phase accomplie quant à le revêtement de facultés du Père qui comprennent bien, qui devraient bien comprendre le monde. C'est eux qui doivent comprendre. Question. Oui. Donc ça veut dire que l'homme extérieur, en nous, il fonctionne comme un vampire. En fait. Oui, c'est un vampire par définition. Voilà, c'est ce que nous disons justement. J'ai dit à tous les points, hein, c'est-à-dire qu'il a la prétention de vampiriser même le Créateur. D'ailleurs, quand vous voyez, j'ai dit, il a la prétention de vampiriser. Quand vous voyez, c'est parce que l'esprit, notre esprit étant en dehors de la valeur ajoutée que le Père lui donne, cette faculté, l'esprit du Créateur. Donc, ça fait que nous ne comprenons. Nous, pourtant, tout est sous nos yeux. Vous avez l'État, par exemple, qui s'approprie le soleil, il s'approprie la lune, il s'approprie, écoutez bien, toutes les ressources de l'univers, toutes les milices de l'univers, il se les approprie. Comme s'approprier, c'est la propriété de qui? Mais il se les approprie pour faire quoi? Pour réaliser ses objectifs. C'est l'opportunisme. Oui, c'est ça. Mais pourtant, tout est sous nos yeux. Mais derrière, c'est parce que nous pensons que derrière l'État, c'est des humains. Non. C'est une conscience. C'est un esprit qui se prend pour la force absolue, créateur. Qui prétend même que c'est lui qui aurait appelé à l'existence le créateur. C'est sa ressource. Il doit exploiter ses potentialités. Que c'est lui qui lui en a donné. Il faut qu'il s'en sert pour réaliser ses objectifs. Vous voyez bien, on le voit sous nos yeux. Donc, les ressources qui sont construites dans les individus, c'est-à-dire l'homme extérieur dedans, est considéré comme l'océan des ressources qui est la propriété de l'État. Il doit en disposer. Pour faire quoi ? Réaliser. D'ailleurs que dans la matière, dans le domaine économique, c'est l'ensemble de tout ça qui fait l'économie. C'est l'ensemble de tout ça qui fait l'économie. L'économie, ce sont les moyens d'action. Il y a le projet, il y a les moyens d'action que tu utilises pour réaliser ton projet. Donc, le salut, c'est que le Père est venu nous sortir. Le Père vient nous amener à la dépendance identitaire de lui. Qui peut contrôler le Créateur, qui peut le domestiquer, qui peut le vampiriser. Personne. C'est lui qui a pour propriété la création. Il n'est pas la propriété de la création. Et donc, c'est de cette manière-là que nous pouvons sortir de cette personnalité perverse, tordue, instable, qui a été fabriqué en nous de toutes pièces. Je dis bien, de toutes pièces. Parce que nous sommes entrés là, nous étions bien des vases vides, qu'il fallait que quelqu'un remplisse. Mais seulement, ils ont été remplis du poison, au lieu de l'eau pure.
dont tous les peuples ont besoin. Par rapport à l'expression vieil homme, l'expression que tu utilises aussi, l'homme extérieur en nous, c'est une expression qui m'a beaucoup clarifié parce que, en fait, quand on dit vieil homme, ça fait référence à quelque chose de nouveau. Donc, tant que je ne suis pas vraiment le nouvel homme, quand on dit vieil homme, je ne comprends pas de quoi on parle. C'est ça. Celui qui est déjà entré, qui est dans cette entrée dans le nouvel homme, il vit quelque chose qui est différent de quelque chose d'ancien, dans lequel il peut mettre l'appellation vieil homme. C'est ça. Ce qui fait que quand je lisais l'écriture, je voyais vieil homme, c'est une des raisons pour lesquelles je ne comprenais pas. C'est ça. Parce que tu ne peux pas comprendre l'appellation vieil homme en étant en dehors du nouveau. Si tu n'es pas dans le nouveau, ça n'a aucun sens pour toi. C'est complètement. Strictement aucun. Alors que l'homme extérieur en moi, c'est une expression qui peut me parler, même si je ne suis pas encore entré dans le nouvel homme. C'est ça. Et par rapport aux états, quand tu dis, en fait, l'état, nous sommes la propriété des états. Ça me faisait penser, quand on va acheter un meuble à Ikea, on a des pièces détachées. Après, il faut les monter pour faire un meuble. Ouais. Bon. Et l'état, en fait, c'est juste une pièce détachée qui va monter pour faire le truc que lui veut faire. Exactement. Et c'est pour ça qu'on efface les frontières. Parce que l'état, ce n'est pas une finalité, en fait. C'est ça. Le vrai propriétaire derrière, l'état, ce n'était qu'une partie du truc qu'il faut combiner pour faire le meuble complet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'étonne, mais les états, etc. Ben, on voit bien qu'ils n'en veulent plus. C'est ça. Parce qu'ils veulent passer à autre chose. Et dans le vrai propriétaire derrière l'État, il y en a un aussi en fait. Tout à fait. C'est ça. Et alors, une autre chose aussi par rapport au vieil homme, c'est que lorsque en fait Luc nous enseigne que Yeshua est l'homme, moi c'est en fait mon itinéraire que je donne. Hein. C'est-à-dire que lorsque ma perception du Messie, qui est le Messie, c'est lui l'homme, etc. Personnellement, j'ai eu du mal à entrer là-dedans. C'était compliqué. Et quand je me suis regardé, enfin, quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait à moi, j'ai compris qu'en fait, c'était lié au fait que l'homme, pour moi, depuis que j'ai été construit là, etc., enfin, l'homme extérieur en moi, il m'a enseigné, c'est lui l'homme. Bon, quand je commence à percevoir des choses du Messie, je vois bien que ce que j'appelle l'homme là, le vieil homme, enfin l'homme extérieur à moi, ça n'a rien à voir avec l'autre là qui s'appelle l'homme. Donc je le conteste. Parce que c'est moi l'homme. C'est ça. Et comme il est différent, s'il est homme, moi je ne suis pas homme. Et comme moi je suis homme, lui, ce n'est pas un homme. On peut l'appeler fils de Dieu si on veut, mais il ne faut pas l'appeler homme, ça ne va pas. Il y a un problème, donc il y a un conflit. Pourquoi? Parce que l'homme pour moi, c'est moi. Et comme il n'est pas comme moi, il n'est pas homme. Donc il faut bien qu'on délibère et qu'on décide entre lui et moi qui est l'homme. Mettons-nous d'accord. Et c'est dans cette délibération-là que se trouve toute l'humanité entière aujourd'hui. Pour délibérer si vraiment il est un homme ou pas. Et on va se retrouver dans, voilà. Lui, c'est pas un homme, bon, on l'adore, on le respecte, mais bon, lui, il est quand même au-dessus, bon, voilà, on n'est pas dans les mêmes trucs. Bon, et en fait, le père veut juste me faire comprendre que je suis un embryon et que là, voilà, etc. Donc voilà, c'est juste pour ajouter un peu de ça. Oui, c'est ça. C'est effectivement ça. D'où les pressions sur de civilisation. Parce que ça rentre vraiment dans ce que Armand est en train de décrire. Parce qu'il y a des critères qui nous ont été donnés à partir desquels on définit l'homme. Et quand d'autres critères venant du Père arrivent, il y a un choc. Il y a un choc. C'est-à-dire qu'en fait, si on accepte que l'homme, c'est selon les critères qu'on voit dans le Messie, ça veut dire que l'autre doit disparaître. Parce que toute la civilisation est construite là-dedans. Donc pour que l'autre ne disparaisse pas, il faut que l'autre ne vienne pas. Donc ça fait une confrontation. Et c'est exactement ce qui se passe. Comme il disait, c'est ce qui se passe.
C'est qu'on nous a donné des critères de l'homme qui sont totalement à l'opposé de ce que le Père appelle l'homme. Parce que c'est le Créateur qui définit c'est quoi l'homme. Et il nous le révèle au travers du Messie. Mais nous, on a été construits à partir des critères opposés. Donc si nous devons accepter que le Messie est l'homme, ça veut dire que ce que nous sommes doit disparaître. Mais ça fait une bataille, puisque toutes nos constructions sont là-dedans. Le mariage, les enfants, toutes nos possessions sont dedans. Donc ça veut dire que si ça doit disparaître, c'est tout le reste qui doit. Donc on se retrouve dans cette bataille-là. C'est pour ça qu'en fait, le souverain sacrificateur disait, il comprenait bien que le Messie se définissait comme le fondement de la nation. C'est-à-dire que les individus qui constituent une nation doivent tous être construits comme lui, et à partir de lui. Mais lui comprend que la nation telle qu'elle existait là, c'est totalement à l'opposé. Si on doit l'accepter, ça veut dire que la nation doit disparaître. Donc, mais pour que la nation ne disparaisse pas, il faut que... Voilà. Donc, d'où on parle, on commence même à en parler en ce moment dans le choc des civilisations. C'est ça. Donc, c'est dans cette bataille-là que... C'est qu'il y en a un qui a pris position en nous, un imposteur. Voilà. Donc, il nous amène à nous définir comme homme à partir de lui, en dehors du vœu. Maintenant, le Père veut, il nous révèle les vrais fondements de notre identité, mais il dit, moi, je ne pars pas. Voilà. Oui. Il dit, non, il est hors des questions que je parte. Il ne fait pas d'effort pour ça. Hein? Oui, mais bien sûr. Il ne fait pas d'effort, parce que de toute façon, on a été éduqué comme ça. On a été construit comme ça. Voilà. Donc, il n'a pas d'effort à faire. Oui, bien sûr. À la limite, il va nous dire, l'autre ne peut pas être un homme. Il est trop grand pour être un homme. Ça va nous flatter. Et en même temps, on va se dire, ben, peut-être qu'il a raison. Hein. Voilà. Nous, on ne peut pas être parfait comme lui. Il est parfait. Et c'est lui-même qui réfléchit. Hein. Voilà, exactement. C'est lui qui dit, oui. Il est parfait. Oui. On ne peut pas être... Si lui, il est homme, nous, on est quoi? Donc, c'est l'homme qui est péché. En gros, il dit, l'homme est péché. Lui, il est parfait. Voilà. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous êtes trop dans le péché. Voilà. En fait, il est dans un monologue. Oui, 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 c'est ça. Il se parle avec lui-même. Et c'est quand le Père opère la circoncision qu'en nous, on est plus solidaire de son monologue. On voit bien qu'il se parle à lui-même. C'est ça. C'est ça. Et donc, on ne le suit plus parce que nous, on n'est plus en lui. Parce que le Père commence à couper, il commence à séparer. Et nous, on voit bien qu'on est à côté, quoi. Bon, voilà. Voilà. Alors, du coup, voilà, maintenant, tout ça, tu le dis, toi. Voilà, tout ça se passe dans la carapace. Mais on voit bien que, voilà, il y a quelque chose, quoi. On n'est plus. Il y a bien deux entités, là. Il y en a un qui se parle à lui-même, et puis je ne te reconnais pas dedans, quoi. Et c'est ça. C'est qu'en fait, c'est lui qui sait clairement que si le fondement de ton identité te sont révélés, lui doit mourir. Donc, toute la peur que tu ressens de mourir, c'est lui qui la ressent. Mais, toi, tu crois que c'est toi. En fait, il veut nous transférer cette peur. C'est ça. Ouais. Pour qu'on soit solidaire de cette peur. Voilà. Exactement. De ses intérêts. Voilà. Parce qu'en fait, lui n'a pas d'énergie pour porter cette peur. L'énergie, elle est en nous. Donc, s'il ne nous transfère pas la peur disparaît. C'est ça. Oui. Parce que seule l'énergie qu'il y a dans l'embryon... C'est dans ce sens-là que je comprends au sens. Ouais. C'est l'énergie de l'embryon qui nourrit la peur. C'est ça, béquille. Oui, c'est ça. Et donc, tant qu'il n'arrive pas à transférer cette peur dans l'embryon, cette peur n'est pas alimentée. Ouais. Elle n'a pas d'énergie. Et donc, elle meurt par faute d'énergie. Oui, c'est ça. Donc, il y a une manipulation terrible. Donc, ce qui fait que si le père ne commence pas lui-même à alimenter l'embryon par ses facultés, donc ce qu'on dit vraiment intelligence, on ne peut pas sortir de cette manipulation. Sortir, c'est en écoutant des vérités comme là, on est en train d'écouter là, qui va nous aider à sortir. Oui, bien sûr. Parce que là, tu es en face du miroir qui te permet de commencer à découvrir ton état tel que tu ne le connaissais pas. Mm-hmm. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit, bien, le Messie est présenté comme la lumière. C'est une symbolique. La lumière, quand nous sommes dans l'obscurité, quand on nous donne la lumière, elle nous aide à mieux comprendre l'environnement, commencer à le voir, déjà à partir de nous-mêmes et l'environnement. Donc, lorsque le Père commence à nous donner son regard à travers ses instructions, mais tu prends conscience
Et qu'est-ce qui se passe en toi? Et qui tu es? C'est à partir de ce moment-là, donc, naît en toi le vrai désir d'appel au secours.